Bonjour tout le monde, ici Malon Daniel et bienvenue à l'épisode numéro 18 de City Skyline. Et on est juste en train de faire un petit survol, malgré la brume, par-dessus notre interchange qu'on a ajouté la dernière fois. Donc notre gros... Wow, check ça, toi. Grosse patente ici, là, qui a vraiment réglé beaucoup des problèmes de trafic qu'on avait. Donc, le fait qu'on a connecté toutes nos autoroutes ensemble, ça l'a vraiment aidé. Puis, comme on peut voir aussi, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc, c'est vraiment le fun. À droite, on a Square qui pue, qui est encore Square qui pue. Je vous rappelle, vous avez un 24 heures à partir de la publication de cette vidéo pour aller voter sur l'autre vidéo, la vidéo d'avant, l'épisode numéro 16. C'est-tu l'épisode numéro 16? C'était peut-être l'épisode numéro 17. Je pense que c'était l'épisode numéro 17. Je pense qu'on est rendu à 18. Oh mon dieu, je suis en train de me perdre dans mes numéros. En tout cas, il va y avoir un lien quelque part. Allez là-dessus, il y a un petit i, vous cliquez sur le i et puis vous votez. Et dans 24 heures, moi, je vais regarder c'est quoi les résultats et je vais enregistrer. En fait, ça veut dire ça que on est samedi aujourd'hui, donc dimanche, je vais enregistrer le prochain épisode. Donc, ouais, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. J'ai bien hâte de voir si Square qui pue, qui est ce quartier-ci, va vraiment, genre, se séparer ou non. Je trouve qu'on a fait une méchante bonne job, vraiment, à améliorer le Square. Surtout après l'avoir ignoré pendant tellement de temps. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va être les résultats. J'ai peur un petit peu aussi. J'ai peur un petit peu parce que, à la fin de la journée, je veux dire, on s'amuse beaucoup. On s'amuse à faire des grosses séparations puis tout, mais je suis pas un fan, en vraie vie, de bâtir des murs. Franchement, j'aime mieux ça quand les gens puissent voyager. Puis tout. J'ai eu la chance de voyager un petit peu partout dans le monde. Et puis, ça, j'aurais trouvé ça bien triste si j'avais pas eu la chance de le faire. Mais bon, OK. Je vais arrêter de parler de ça, là. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est quoi notre but? Eh bien, on a une couple de choses. Je vais commencer par vider ce gros cimetière-là. Mais je veux me rendre à 55 000 personnes. On a fait beaucoup de bon travail dans le dernier épisode. Je pense qu'on est allé de 42 à 46, ce qui est bien. Puis on peut voir ici, c'est encore en train de monter, ce qui est très bien. Malgré le fait qu'en bas ici, ça dit que c'est en train de descendre. Mais si on sera à 55... Attends un petit peu. 55, on peut avoir un aéroport. Et puis après ça, à 70, on peut avoir l'autre aéroport. Et puis après ça, je vais allumer le mode pour tout débarrer, la région complète. Puis là, je vais commencer à débarrer de plus en plus. Donc, je veux vraiment me rendre là. Je veux dire, on a fait beaucoup de travail. Je sais pas c'est quoi ce petit bonhomme-là. Je suis un petit peu curieux à savoir c'est quoi exactement ce petit bonhomme-là. Mais je commence à avoir de pouvoir juste attaquer les régions complètes. C'est quoi cette affaire-là? Subvention jeunesse. Ah ouais, j'ai dit ça dans ma ville au complet. Si je fais ça de même. Subvention jeunesse. Je l'ai pas dans la ville au complet, mais je l'ai dans ça ici. Est-ce que vous le voyez quelque part? Je le vois pas, moi, là. La subvention jeunesse, c'est où, ça? Subvention jeunesse. Je dois avoir manqué quelque chose quelque part, ou bien je le vois pas. OK. Intéressant. Cool. On va le prendre. Subvention jeunesse, c'est toi ici, ça. C'est ça. OK. Parce que j'ai mon stade, puis j'ai dit avec mon stade que je vais avoir subvention jeunesse. Il était peut-être un petit peu qu'on change la couleur ici dans nos uniformes. Ça fait un bout que c'est jaune. Et puis ça va pas bien quand c'est jaune, ça a de l'air. Donc on va essayer d'encourager les gens. On va aller avec rose. Tiens. Des uniformes roses. Ça devrait... Les gens devraient être beaucoup plus encouragés. Ah, il y a une game en plus en ce moment. OK, attends un petit peu, je vais essayer de... OK, la dernière fois que j'ai joué avec vous, j'ai complètement fucké la bébelle. Cette fois-ci, je vais essayer de pas... Attends un petit peu. Je suis pas dans... C'est pas mon but, ça, ici. Je suis dans mauvaise place, à moins que... Attends un petit peu, je vais essayer de distraire. Regarde-moi. Distrait. Attends un petit peu. Y a-tu même une face? Ah, c'est quand même pas pire, les détails. Il a mis une face, pis tout. Mais je sais pas si ça, c'est mon gars, ou si... Ça, c'est mon gars. Je pense que, pour moi, c'est les gars qui sont vraiment mauves. Hey, toi, t'as l'air comme le jumeau à lui. Un petit peu. Est-ce que vous êtes tous des jumeaux? Vous êtes tous des jumeaux, on dirait. T'es qui, toi? C'est qui l'équipe verte? OK. On court après la balle. Attention. Non! OK. Moi, je m'en vais, là. Je suis pas capable. À chaque fois que je joue, je fais... Est-ce que... Tout le monde perd, ce qui est pas bon. Bon, OK. Voyons voir. C'est comment qu'on fait pour monter notre population à 55 000? En fait, là, on a des problèmes de pouvoir ici, ça a de l'air. Ah, ça, c'est pas bon du tout. On va faire un partenariat, je pense, tout de suite avec nos amis ici. Attends un petit peu. Première chose que je veux faire ici, c'est connecter les deux barrages ensemble pour que les questions soient pas plus connectées ensemble. Tiens, donc, ça, c'est connecté ensemble. Mais je veux faire un partenariat avec Walnut Grove, j'ai oublié le nom. Parce qu'ici, il y a deux gros barrages. Donc, je vais vouloir acheter un petit peu de leur électricité pour m'aider parce que... Surtout, je suis en train de manquer d'électricité, là. Donc, on va faire ça de même. Tu peux-tu juste aller dans le milieu de même? Ce serait bien cool. OK, donc là, maintenant, toute l'électricité de toute la ville devrait être connectée. Donc, ça devrait régler les problèmes d'électricité ici. Oui!
Ok, cool. Cool. Donc là, maintenant, tout est plugué ensemble. Toute l'électricité de partout est connectée ensemble. Donc, tout est bon. Là, pour de vrai, là, je vais me rendre à 50. 5 000 personnes. C'est où est-ce qu'on va mettre ces 5... C'est où est-ce qu'on va mettre l'extra 10 000 personnes que je t'avais de rentrer dans la ville, là? En fait, je suis en train de penser que la colline ici, ce serait super bien. Je veux dire, on a beaucoup de pollution ici, ce qui est pas très le fun. Mais on pourrait faire une ligne ici. Puis tout ce qui est toi ici, je pourrais peut-être te tasser. Hein? Je veux peut-être pas avoir ma centrale nucléaire, genre direct à côté d'une grosse région où il y a plein de gens. Hein? Mais. On va voir ici. Y a-t-il une place où est-ce que je peux mettre ma centrale nucléaire? Peut-être pas. Peut-être qu'au lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais créer... Attends un peu. On va faire toi de même. Et on va faire toi de même. Et puis, on va faire ça de même. Ça de même. Et puis, arrivé là, on va venir ici. Puis, on va faire un tracé d'une ligne jusqu'à l'eau. Donc, voilà. Ça va être la région de là de même. Ici aussi, on va faire comme ça. Parce qu'on veut que les gens... On va rallumer ça. Et accès à l'Internet. Qu'est-ce que je disais? À l'autoroute. Donc comme ça, et puis on va faire un tracé jusqu'à l'eau. Oh, puis ici, on peut pas aller toucher l'eau. Parce que l'eau est à l'extérieur. Ah non! Non, je veux pas un tunnel dans le milieu. Ben en fait, je dis je veux pas un tunnel. C'est intéressant, ça, comme... J'aime ça. Pourquoi est-ce que j'aime ça? J'aime ça parce que... Ensuite, je peux venir ici. Puis ok, je suis en train de faire des choses pas correctes, là, mais... Je peux faire quelque chose de même. Qui passe par là. Et puis... Qui passe par ici. Et puis qui passe par en dessous ici. On pourrait avoir une dernière petite connexion à l'autoroute si tu me laisserais. Mais pour quelque raison, tu me laisses pas. Puis après ça, me connecter là. Pourquoi tu me laisses pas? C'est quoi le problème? Ok, tu me laisses si je passe par là. Hein? Ok. Bon, on va faire ça de même. Ça de même. Et ça de même. Tiens. Donc voilà. Donc ça va tout se connecter de même. Ce qui est vraiment cool. Et puis en fait, avec ça aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une. Ouais, on peut faire une connexion de même. Et comme ça. Et comme ça. Tiens! Donc, on va pas aller dans l'autre direction. Je veux dire, si les gens veulent aller dans l'autre direction, ils peuvent aller par là. Ou ici, on va mettre une genre de bretelle de quelque chose, je devine, ou quelque chose de même. Faudrait peut-être qu'on fasse une genre d'intersection ici. Mais j'aime l'idée qu'il y a une route qui passe par en dessous. Oups, non, c'est pas ça que je veux faire. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste faire une petite route de même. Tiens. Donc, si les gens veulent aller genre ici, ils peuvent juste prendre la route ici, puis après ça passer en dessous de même. Quelque chose de même. Pas plus compliqué que ça. Ok, donc voyons voir ici, c'est quoi qu'on va mettre de différent. Il y a une couple de gros buildings ici que j'ai pas encore placé, que j'aimerais bien pouvoir placer. Il y a des parcs ici, il y a ces affaires-là que j'aimerais bien pouvoir placer aussi. Ça, c'est quoi ça? Un centre de sciences, ça serait pas mal cool. Un stade, on a déjà un stade, mais peut-être un musée de quelque sorte, ça serait cool. Donc on pourrait mettre ces affaires-là ici dans notre nouveau quartier. Ce qui va attirer les gens, ça va faire ce que les gens vont vouloir venir vivre ici, ce qui est bien. Donc on va avoir un peu bâtir jusque-là de même. Juste faire des longues lignes directrices de même. C'est un petit peu croche, mais c'est correct. Parce que, comme on a vu dans le dernier épisode, je fais beaucoup de choses qui sont pas croches. Et puis là, je suis en train d'essayer de faire des choses un petit peu différentes, un petit peu plus croches, disons. Voyons voir ici le musée. Si on pourrait le mettre dessus le bord de l'eau, ce serait le fun. Toujours avec ta pente trop inclinée, toi, hein? Mais gars, je peux juste faire ça de même, là. On va créer une petite région ici, disons. Une petite région de même. Et une autre petite région de même. Oups! Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Une autre petite région de même. En fait, ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de bâtir des marches de quelque sorte. C'est super étrange, comme des genres de plateaux. C'est vraiment étrange, mais bon, tiens. Comme ça, on peut aussi l'aplatir un petit peu, là. Ça n'a pas besoin d'avoir de l'air comme super, super plateau-ish, si on veut, là. Tain. Mais bon, de ce mon plateau ici, le plus bas, je peux sûrement bâtir quelque chose de même. Puis après ça, ici, bâtir quelque chose de même. Et puis là, ici, venir ici, puis mettre, sur le bord de l'eau, un genre de musée qui ressemble beaucoup au musée, je pense, qu'on a à Sydney. Il est un petit peu différent. Il est plus carré. Mais quand même, l'idée, c'est que tu es dessus le bord de l'eau. Pourquoi ça, c'est... Y a-t-il de la pollution ici? Pourquoi c'est de même ça là? Pas de pollution ici? Non, y en a pas. La pollution est par là-bas. Alors je sais qu'on a déjà un stade, mais on pourrait mettre un deuxième stade, puis on pourrait le mettre là. Et puis, c'est un stade un petit peu différent, disons. Puis, et puis le centre de science aussi, j'aimerais bien ça le mettre quelque part. Pente trop inclinée. Tiens, essaye de la pente pas trop inclinée. Là, comme ça. Ça a l'air un petit peu étrange, mais. Ouais, ok. Bon, on a nos trois gros buildings ici là qui vont genre. Qui vont changer un petit peu de quoi ça a l'air. Notre tour ici. Tu sais que ça, il est en train d'essayer de bâtir un genre de tunnel. Un mini tunnel. Je veux pas bâtir un mini tunnel. Je veux pas bâtir un pont ici. Juste que tu te connectes. Tain, de même. Parfait. Juste comme ça. Donc ça ici, ça monte jusque là. Ce qui est bien. Arrivé ici, tu devrais être capable de faire quelque chose de semblable pour te connecter là. Autant que je voulais
que les gens prennent le tunnel ici. Ça a l'air comme s'ils vont pas nécessairement le prendre. Ah, OK. Donc, on va continuer même aussi. Le problème aussi avec construire dessus des grosses côtes de même, c'est comme on peut voir, les petits carrés disparaissent à un moment donné parce que la route, elle est pas... pas la route, mais la pente, elle est trop à pic. C'est trop incliné, donc les gens peuvent pas construire. Mais ça, on va tout régler ça va pas être de problème. On a des outils pour ça. Ça, par contre, je trouve ça vraiment cool. Le fait que c'est comme une grosse montagne, puis ça, le top de la montagne, il y a le musée de la science. Brah! C'est intéressant. OK, donc voyons voir ici. On va essayer de bâtir les routes qui vont contourner, genre, les montagnes. Comme ça, on peut maximiser où ce que les gens peuvent se bâtir. Donc ici, évidemment, on a le pied d'une montagne, donc tout le long de même. Ici, on a le top d'une montagne. Ouais, hein, tu dis pente trop inclinée. Donc ça va faire quelque chose de même. Ça va être intéressant un petit peu, ça va être différent. Ça fait penser un petit peu à... C'est où est-ce que c'est de même? Beverly Hills? Quelque chose de même, je pense. Dans GTA 5, en tout cas, on a des affaires de même. Donc ça fait un genre de... Des genres de... Il va y avoir des maisons sur des grosses côtes, pis tout. Ici, on n'a probablement pas vraiment de besoin... je vais quand même vouloir mettre une petite route ici. Non, j'ai vraiment pas besoin d'un tunnel, là. Je vais juste mettre une... Pourquoi? Le jeu est perdu un petit peu, là. Envoyez le jeu, là. T'es capable. Tain, OK. Donc, je vais juste faire ça de même. Comme ça, je peux avoir plus de gens qui vont vivre ici. Puis ici, peut-être que je peux mettre un gros parc. Attends un petit peu ici. Si je viens ici, puis je fais toi. T'as-tu un gros parc? Oui, mais tu veux pas vraiment te mettre là. En fait, aussi, je pourrais mettre... Il reste-tu... Tain, ça ici. C'est quoi, ça? Ça, c'est-tu... Non, ça n'a pas de sens, ça, une statue de shopping, là. Ça va être une zone résidentielle pour des gens plus riches. Oh, wow! Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le palais de justice, qui est énorme. OK. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit peu plus petit. Ça ferait beaucoup de buts, par contre. Donc, parce que tout est croche, tu veux pas bâtir, mais gars, c'est pas de problème. Je peux quand même juste faire ça de même, et de même, et de même. Et puis, je peux mettre mon parc là-dessus. Haha! Tada! Et voilà. Donc, là, les gens ont un parc, puis même aussi, on peut... venir ici, faire toi, et juste connecter tout ça ensemble, à partir de là jusque là. OK, voyons voir ici, ce serait bien le fun si je pourrais faire une genre de route qui fait le tour de même. Et puis on va essayer d'entourer la science de... le chose de science. Comme ça, je pensais pas que c'était pour se connecter. Mais quand même, ça va être intéressant, ça va faire quelque chose d'un petit peu intéressant. Arriver ici, on peut faire ça de même. Et puis ici, on peut essayer de remplir tout ça le plus possible, jusque-là. Et puis la dernière ici, franchement, c'est pas si pire que ça, parce que c'est assez plate que tout fit. Alors, ce serait cool si je pourrais avoir une intersection avec 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça a l'air comme s'il veut pas, donc je peux juste me mettre ici ou je peux me mettre de même? Attends, on va me mettre de même. Bon, ici, voyons voir, on va essayer de faire est-ce que cette route ici, au moins, elle a beaucoup de gens qui peuvent vivre à côté. Ce qui veut dire qu'on est en train de créer une grosse affaire là, mais... non, ça de même. Ça ici, c'est étrange aussi parce que le terrain termine là, donc c'est en train de faire des affaires un peu étranges, mais je peux ensuite les cacher un petit peu avec ça, là. Tain, donc ça me semble être un bon début. On va faire sûr qu'il y a de l'eau. On va faire est-ce que l'eau qu'ils reçoivent ici, c'est l'eau qui vient de la centrale nucléaire. Juste pour faire sûr qu'ils sont bien irradiés. Et puis je suis en train de débattre si je veux mettre du transport public, puis je veux pas vraiment en mettre parce que... Ça va être des gens plus riches qui vont vivre ici, donc. Ils devraient pas vraiment avoir de transport public parce qu'ils ont toutes des... Tu sais, quand t'es en train de conduire dans les... Pourquoi Daniel n'était pas capable de penser au mot? Dans les montagnes, dans GTA 5, par exemple, là. Il y a pas d'arrêt d'autobus. Mais je vais au moins en mettre aux grosses affaires ici, là. Donc, on va faire des arrêts d'autobus qui vont là, puis après ça, qui viennent juste, qui s'y mènent. Puis après ça, qui repartent. Comme ça, il va y avoir les gens s'ils veulent, genre aller au musée, ou ils veulent aller voir une game de sport ou quelque chose de même, ils vont pouvoir le faire. Bon, puis là, on va commencer à mettre des zones. Donc, disons, à l'entour de ces grosses affaires-là, on va mettre des zones haute densité, à l'entour de nos différentes affaires ici. Toi, ici, je suis en train de penser, on peut mettre du résidentiel tout le long de même, et du commercial de l'autre bord de la route. Et du commercial de l'autre bord de la route. Et à l'entour du stade, évidemment, on veut que ce soit du commercial. Il va y avoir toutes les bars que les gens y vont après une game pour se saouler, etc. Excusez, non, c'est pas pour se saouler, c'est pour célébrer. Célébrer, oui, OK. Bon, ensuite, disons, quand t'es en train de monter de même, c'est plus du résidentiel de basse densité. Donc, les gens qui vivent genre sur le bord de la côte puis tout. Ça ici, ça va devenir des maisons des gens super riches. Genre ça ici, c'est vraiment, c'est comme la colline Hollywood, si on veut, là. Donc, les gens super riches vont vivre là.
Ici aussi, même chose. Disons, tout ça ici aussi, ça va être la même chose. Donc, tout ça ici, c'est du basse densité. En fait, il y aurait des gros terrains de des gros terrains de golf aussi ici, si je pouvais. Si j'avais des terrains de golf ici, on va mettre de l'autre densité, disons. Si c'était dessus le bord de l'eau, on peut mettre de l'autre densité ici. Je vais mettre une grosse affaire de haute densité. Comme ça, les gens, ils peuvent bâtir des tours, comme on avait fait dans le Walnut Grove. Bon, quelque chose de même. On va vouloir mettre un petit peu de commercial dans les intersections. Comme ça, les gens peuvent aller faire leurs épiceries, etc. Comme ça. Et puis, il va falloir qu'on rentre l'électricité là-dedans. Donc, je t'aurais pensé si on peut juste venir se connecter proche. Je sais pas trop c'est quoi ton problème, toi, là. Bon. Comme ça. Ok, on enlève pause. Il va y avoir un petit problème là parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais après ça, ça devrait commencer à se bâtir. Voyons voir. Go! Ok, c'est en train de grandir tranquillement, pas vite, mais là, on est en train de voir vite qu'il y a des gros problèmes, il y a des manques de jobs. Donc, je suis en train de passer en haut ici, le plus loin de l'eau. On va mettre des bureaux. Ça ici, c'est ce que les gens peuvent travailler. Donc, on va juste mettre ça de même. Ça devrait se remplir quand même assez vite si on prend en considération le montant de jobs que les gens ont besoin en ce moment. Donc, est-ce que ça fait même quelque chose? Tiens, ok, il y a du monde qui commence. Là, il faudrait juste que quelqu'un bâtisse à côté d'une affaire, d'une prise électrique, là, pour qu'on puisse ramasser l'électricité, là. Est-ce quelqu'un qui peut juste bâtir proche d'une prise électrique? Tiens, on va même mettre ça là. J'ai trois places où ce que l'électricité peut rentrer, là. Là, là ou là. Faut juste que ça se rende. J'essaie de pas trop, genre, briser les zones quand je fais ça. Donc, c'est la raison pourquoi je veux pas... Genre, juste bâtir de là jusqu'à là, parce que tout ça ici, ça a été zoné, là. Ah ouais, quelqu'un pogne l'électricité. Ok, bonne nouvelle, on a l'électricité maintenant pour des gens ici. Là, faudrait juste que les gens en bas ici aient de l'électricité. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à propos de ça? Est-ce que j'ai zoné ça? Oui, ok. Donc, faudrait juste que toi ici, tu partages ton électricité. Ça te tente-tu de juste partager ton électricité, juste pour le fun, s'il vous plaît? En fait, je suis en train de penser, peut-être que je vais bâtir une autre affaire d'électricité juste ici, là. Juste pour venir chercher l'électricité, là. Parce que ça se partage pas vraiment l'électricité en ce moment. Attends, ça c'est fait. Donc là ici maintenant on peut peut-être partir d'ici et aller jusque là. Je veux vraiment pas briser mes zones. Yay! Ok, finalement ça s'est connecté ici. Blu 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 blu. Là il faut juste que cette grosse section-ci se connecte. Hein? J'avais essayé de faire ça ici tantôt. Tiens. Ok, comme ça. Tiens. Go. Et voilà, on a l'électricité. Yay! Ok, donc là maintenant il faut juste que ça se construise. Construit! Ok, ça a l'air comme si les bureaux ici, ça a augmenté super beaucoup. Côté résidentiel, ça commence, ça me semble pas vraiment. J'ai en train de penser peut-être qu'il faut encourager plus de gens de résidentiel de venir ici. Donc peut-être qu'on va juste créer une méchante zone ici. Tout le long, de même. Et on va essayer d'encourager Square Oriental, ok. Politique, voyons voir ici. On va dire logement high-tech, s'il vous plaît. On va dire baisse d'impôts pour les gens qui viennent vivre ici. Ça devrait encourager les gens. En fait, j'ai tellement d'argent, je devrais peut-être venir ici et juste réduire les impôts des résidents. Ouais. Ça va augmenter... ça va sûrement augmenter la demande pour des résidentiels, mais ça va peut-être aussi descendre un petit peu l'argent que je ramasse. Mais j'ai 2 millions de dollars, donc pourquoi pas? Un petit peu 10... 8... Je vais te regarder en bas ici, là. 6... Que ça va mettre dans un méchant déficit, ça. Ok, voyons voir. Moins 9, moins 10, moins 10, moins 11, moins 12. Ça a l'air comme si on est à l'entour de là, mais j'espère que c'est... Ok, pour quelque raison, c'est pas en train d'augmenter la demande de résidentiel, mais espérons, peut-être que ça va. Bon, là, ils mouillent en plus, maudit man. Et là, ils veulent vraiment du commerce. Donc, on peut mettre du commerce tout le long ici. C'est à côté du stade, donc ça fait du sens. On peut mettre du commerce tout le long de cette rue-ci. Ça va faire peut-être un petit peu du bien. C'est pas le stade, ça ici, c'est le musée de sciences. Ici, on a le stade. Donc ici, on peut mettre ça aussi à l'entour du stade de même. Peut-être que ça va rendre les gens un petit peu plus contents. Ça ici, j'aimerais bien ça, que ça ici, ça soit du vert, en fait. Donc on peut faire ça de même. Mais là, ça se construit pas, là, mais... C'est... Genre, c'est supposé être une petite zone résidentielle ici, là, dans les montagnes. Dans la côte! Check ça, c'est super joli la vue d'ici. Wow, quand il mouille, c'est un petit peu moins joli, mais quand même. Oh, des petits problèmes de poubelles! Tu devrais pas toutes les poubelles sont ici! Ça, t'as des problèmes de poubelles, toi, là. Un petit peu si je fais ça, ça... Ça... Ok, j'ai ajouté trois autres poubelles, là. On devrait être bon côté poubelle. Ah, je sais, c'est quoi qui manque? Il manque les écoles! Niaiseux, Daniel! T'as pas pensé à ça, toi?
Faut que je mette des écoles. Sinon, les gens vont pas venir ici, résidentiel. Ok, on va mettre une école là. Ouais, là, tout à coup, tout le monde est content. On va mettre un collège aussi. Je peux-tu mettre un collège là? C'est ici, ça va briser une couple de maisons, mais les maisons n'ont pas encore été construites, donc c'est correct. On va aussi mettre, faudrait peut-être mettre des services de santé, hein? Pourquoi pas? Donc ici, on va avoir un hôpital, disons, juste sur le bord demain. À un moment donné, ici, putain, ça fait de être là. Mettre un hôpital là. On va mettre une affaire aussi pour les gens qui sont décédés. Il faudrait aussi mettre... Ouais, oui, ok. Il faudrait peut-être mettre des pompiers et des polices. Donc, pompiers. Ça, ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et police. Dans le coin ici, quelque part, peut-être. Direct là. Non? Oui, oui, tac. Ok, donc ajouter des services, je pense que ça va aider peut-être un petit peu à attirer des gens. Faut monter plus vite que ça, là. On est rendu à 46 seulement. Puis on a commencé l'épisode avec 46. Ah ouais, j'ai baissé tous vos impôts, là. Je suis en train de... Quand j'arrive à 1 million d'un coffre, il va falloir que j'augmente mes taxes, là. Ah ouais. En fait, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une grosse demande pour du bureau encore, pour de l'industrie. Donc, ce que je vais peut-être essayer de faire ici... Voyons voir. C'est quoi le relief de cette affaire ici, là? Si je fais ça de même. Ok, c'est ça, hein? Peut-être qu'ici, je vais bâtir un gros plateau. Et puis, on va faire une genre de zone... Juste une grosse zone de bureau. Oh. Pas assez de terre. Ok, ça c'est nouveau. Comment que je fais pour ramasser de la terre? Ça de même? Ok, ça se remplit en haut là, on peut voir. En haut là. Donc je remplis de terre, ok, puis après ça je viens ici, puis je... Tain, ça disait trop de terre. Ok, comme ça, tain. Donc ça ici, ça va être quand même assez cool. Un genre de plateau où ce que les gens ils peuvent venir se placer, puis tout. Ça a peut-être l'air un petit peu étrange en ce moment. Même je suis pas mal certain que ça a l'air étrange, parce qu'il a l'air d'avoir un arbre dedans. Mais je vais juste l'embellir un petit peu en faisant ça de même. Donc, comme ça, ça n'a pas l'air trop pas naturel. Et puis ici, ça va être un genre de parc avec juste du bureau. Juste du bureau, c'est tout ce qu'il va y avoir. Bureau, 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 bureau. Il y a un gros trou là pour qu'il crée son bureau. Ici, je la moitié du bureau. Bureau, 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 bureau. Ici, j'ai essayé de faire une genre de petite rue pour pouvoir ramasser parce qu'il y a un spot ici où c'est tout vide. Là. Ça n'a pas fonctionné. Pour quelque raison, je peux pas faire le reste. Mais bon, c'est correct. C'est correct. Je suis pas fâché. Pas du tout. Maudite merde. on va faire ça de même. Puis ici, même pour encourager les bureaux, on va ajouter quelques petites plazas. Donc, si je vais de même, plaza. Tu vas pas me laisser mettre des plazas à cause que la pente est trop inclinée. Ah non. Tac, comme ça. C'est joli, ça. Ok, mais le bâtiment de ces bureaux-là, ça a l'air d'avoir descendu la demande pour des bureaux. Donc ça, c'est bien. Mais il faut que la demande de verre ici augmente. Parce que là, ça va pas bien notre affaire. Là. On est en train de... J'ai réduit beaucoup, beaucoup les impôts. Et puis, il y a pas grand-gens, là. Pourquoi il y a pas grand-gens? Où est-ce qu'ils sont, tout le monde? Est-ce que vous êtes tout le monde? Ok, je suis en train de penser, si je veux attirer les gens, il faut que j'ajoute d'autres jobs aussi. Donc, je sais qu'on a plus vraiment de grande demande en ce moment pour du jaune. Mais je vais juste tout mettre ça en jaune aussi. Juste au cas où il y a d'autres industries qui veulent se bâtir, parce qu'ici, ça c'est vraiment, ça s'est rempli, mais pas à peu près. Là, en ce moment, il y a une grosse demande pour du commercial, donc on va voir si on peut mettre notre commercial. Je devrais penser ici tout le long. Tant que c'est dessus la petite route à côté, donc ça ici, ça serait genre des centres commerciaux pour tout le monde qui vivent là, dans le coin de Square qui pue. Ok, donc ça semble fonctionner ici, je suis juste pour le fun, je suis venu voir ici, là. Affluence, c'est le nombre de personnes qui rentrent dans la ville. Et puis, ça semble avoir monté un petit peu. On peut aussi faire natalité, qui est aussi en train de monter. Mortalité, qui est là aussi, mais qui est pas très... Ben, je t'ai pas dit qu'il est pas très haut. Qui est pas à son pic, qui est d'être là. Si on met tout ça ensemble, puis on fait le changement de la population, ben, ça va bien. On a eu un petit... Whoops! Mais là, on s'en va dans la bonne direction. Si on peut garder la tendance, on devrait arriver à 55 à l'entour d'ici, là. C'est quoi ça, dans 5 ans, là? J'ai trouvé un petit coin ici, là, où est-ce qu'on peut ajouter d'autres... Je vais chercher un entour pour d'autres petits coins de même, là, où est-ce qu'on peut juste ajouter d'autres maisons, puis tout. Donc ça, ici, je pense que je n'ai plus besoin, maintenant. Donc là, ici, on va venir ici, puis on va tout zonifier ça. Ça, ça peut être du vert aussi, parce que c'est direct à côté de l'école qui est direct là, donc c'est parfait. Côté bleu, on peut mettre tout ça qui est bleu, donc sur les routes, genre... principal bleu, comme ça. En haut ici, je t'aurais pensé, on pourrait mettre du haute densité vert. Ici aussi, je sais pas trop c'est quoi ça va donner, ça. Faudrait voir exactement c'est quoi ça va donner. Ça va être étrange un petit peu. J'espère qu'il y en a un qui va se construire. Ou en haut ici. On va voir, on va regarder un œil là-dessus. Ah, putain, il y en a un qui se construit. De quoi ça a l'air, ça, là? Ah, ça a l'air pas... son stationnement, il comme monte un petit peu dans la montagne, mais ok, c'est pas pire. Les gens en arrière ici, là, ils ont des petits problèmes avec leur balcon, mais quand même, ça fit, hein? Il y en a pas de problème. Waouh, mais check ça, c'est quand même c'est bien rempli, hein, puis on est rendu presque 48 000, même
On va péter 48 bientôt. Non, arrêtez de... Pourquoi ça descend? Je devrais penser que peut-être en haut ici, ce qu'on fait, c'est qu'on... On bâtit un genre de... Je sais pas, là, un genre de zone commerciale, là, pour faire que je coupe un petit peu dans le commerce ici, désolé. Parce qu'on direct en dessous, on a une zone de bureau ici, mais là, c'est le commerce vraiment qui est en demande. Donc, on pourrait bâtir une petite zone commerciale. Là, j'ai bâti un hôpital ici, une deuxième hôpital, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Et puis là, je suis en train de regretter, parce que là, j'ai pas accès à ma route. J'espère que ça va m'aider à avoir accès à ma route. Oui, ok, cool. Tain, alors là, j'ai genre ma petite zone ici. Mais là, ici, on a notre stade. Donc, je suis en train de penser qu'en fait, ici, on devrait avoir une nouvelle, un nouveau petit quartier, juste ici, à l'entour du stade. Et puis, à l'entour du stade, ici, on va... Attends un peu, là, il y a du monde... Non! Non, non, non! Non! Je veux pas... Non! Arrête de créer des nouveaux quartiers, là. Ça, ici, c'est tout un quartier. Et jusqu'à la rue, là, tain, ok. Donc, ça, ici, le quartier vert, ça semble s'appeler le quartier vert. Ça, ici, ça va être un quartier spécifique au tourisme, parce qu'on a cette grosse affaire-là. Donc, si je viens ici... En fait, attends un petit peu. Je viens ici, je vais là. Toi, c'est tourisme, divertissement ou... Tourisme. Et puis, politique, si on va faire... Soulager le loisir, réduction d'impôts pour les commerces et pour les bureaux, parce qu'il y a une couple de... Non, pas pour les bureaux. Il y a des bureaux dedans, mais les bureaux, on va pas descendre ça. Et puis, parce que c'est du tourisme, on va... On pourrait mettre un petit peu d'utilisation ludique, pourquoi pas, hein? Et parce qu'on a mis l'utilisation ludique, on va mettre un petit poste de police direct à côté, tain. Tain, bon, ok, donc ça devrait aider un petit peu avec le tourisme, hein? Oh, le vert ici est en train de monter, good, on est rendu à 48, hein, ouais. Donc voyons voir tous ces bâtisses-là là, qui sont en train de se bâtir à côté tourisme. On a Go Nuts Donuts. Un petit peu, je vais mettre de même. Hop, Go Nuts Donuts, qui est une genre de place de café, ça a l'air, avec une pieuvre. C'est intéressant. Oh, une nouvelle construction ici, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce qu'on pense que ça va devenir? C'est un genre d'hôtel, moi, je devine. Même c'est écrit là, hôtel. Ouais! C'est un hôtel qui s'appelle Hôtel. Oh, une grosse construction loin là-bas aussi, qui s'appelle Hôtel aussi! Wow! Oh, puis il y a un autre hôtel là aussi! Wow! Hey, il y a un autre là! Il y a plein d'hôtels partout! Je suis en train de vraiment débattre l'idée d'avoir un métro ici, là, franchement, là. Je trouve, j'ai mon affaire d'autobus qui passe, mais comme ça grandit, puis ça grandit de plus en plus, je pense que ça devient de plus en plus évident qu'on a besoin de mettre un métro ici. Peut-être qu'il part du bout d'ici, qu'il passe à travers de là, puis après ça, qu'il vient de se connecter ici de quelque part. Une petite ligne, pas trop longue, mais juste quelque chose qui va faire, qui va se connecter avec tout le reste, là. Je sais pas si on peut mettre ça ici de même, ça va causer des problèmes. Ça a pas l'air à ça, ça a l'air un petit peu étrange, mais ça a l'air correct. Donc si je fais ça là de même... Et puis, en fait, je vais suivre la ligne d'autobus, c'est ce que je vais faire. Donc, évidemment, je vais me mettre ici. Là, il faut que je fasse attention aussi parce qu'on est dans des côtes. Donc, il va falloir que le métro suive les côtes. Mais si je peux en mettre un autre, genre en bas ici, ou... En fait, la prochaine place qui ferait du sens, ce serait comme drette là. Donc, là, tu descends jusqu'ici, puis après ça, on termine drette sur le bord ici. Comme ça. Voyons voir si on est capable de connecter tout ça ensemble. Ok, connecter ça là, ça va bien. Donc, on descend ici. Ça ici, ça s'est fait aussi très facilement. Là, c'est le défi ici. Wow, tout le monde est content. Je pense qu'on vient de gagner une game. parce que si j'essaie de faire ça de même, la pente est trop inclinée. Donc, peut-être si on essaie de bâtir d'en bas, puis on monte. Je pense qu'il faut faire un gros détour de même. De quelque sorte. Ok, et voilà, ça s'est connecté. Genre de plate un petit peu, mais bon. Ça ici, ça va être une ligne très courte. Mais quand même une ligne très importante. Qui sert à connecter cette section-là à tout le reste de... De notre région. Waouh, notre quartier touristique quand même. Les deux, là. Hein? Il y a le quartier là-bas au fond. Ça, ici, c'est où on a notre ancien stade. Là, ici, on a notre nouveau stade. C'est vraiment genre grosse lumière folle dans les quartiers touristiques, franchement, là. Mais c'est bien, ça. Ça attire les touristes et tout. Si on pourrait se pogner un aéroport, ça aiderait plus. Et puis, on est presque rendu à 50 000. On est presque là. Mais boy, ça fait un bout. J'aurais juste par contre. Je sais pas si on va se rendre aujourd'hui. Ah, oui, je suis capable. La grosse question, évidemment, c'est y a-t-il beaucoup de monde qui freine cette ligne de métro-là? Et puis, il semblerait que non. Il y a seulement 15 personnes. Mais il y a beaucoup de monde qui attendent l'autre bord. Peut-être que je suis juste à la fin de la ligne. T'as un petit peu ici. Toi, ici, t'es peut-être au début. 103. Ok, donc c'est quand même pas pire. Il y a quand même un bon, wow! Un bon nombre de personnes qui prennent le métro ici. 103 personnes, 148. Ça se remplit pas au complet, mais c'est vrai aussi que notre budget de métro est quand même au max. Je te gage qu'aussitôt qu'on arrive ici, ça va montrer à 180, ouais. Donc, pas tout le monde peut embarquer, donc c'est bien ça. Ça veut dire, si pas tout le monde peut embarquer, ça veut dire qu'il y a de la demande, il y a beaucoup d'utilisation. Et puis, l'arrivée ici, tout le monde va débarquer, puis je devine qu'ils vont tout aller un petit peu partout d'autre. Ah, mon Dieu, check ça, tout le monde aussi qui attend pour embarquer. Ah, good, good, ok, donc c'est bien quelque chose qui aide. Check ça, tout le monde. Ah!
Ils vont tout aller, soit ils vont aller dessus le tram ou ils vont aller dans les deux autres stations de... Les lignes de métro, disons. Ils vont peut-être venir ici à Saint-Xavier pour ensuite embarquer dessus le train pour aller quelque part d'autre, je sais pas. Et puis je viens de remarquer 50 000! Yes! Ok! Donc il nous reste un autre 50 000 à aller. Voyons ici, j'ai terminé les zones, j'ai ajouté un tapon de petite zone ici. Donc ici, on avait la section bleue, j'ai ajouté du bureau parce que c'était du bureau qui manquait. Puis là, j'ai ajouté du vert aussi parce que il y avait un petit peu de demande pour du vert. Mais là, la demande est repartie encore. C'est vraiment, vraiment dur. Oh wow! Attends un petit peu là. On peut sûrement ajouter, sûrement ajouter un genre de parc ou quelque chose ici là. Il y a sûrement quelque chose... Non, ça c'est trop gros. Ça, juste là de même. Là. Ça crée beaucoup de bruit, donc on va te mettre là. Tiens. Alright, 51 000, ça va bien, la patente, ça va bien, ça avance. On monte beaucoup aussi, tant que si je reviens ici encore, statistique, la ville. Ouais, changement de la population. La dernière fois, je pense qu'on était en bas ici. Donc là, on veut se rendre ici. C'est ici qu'on veut se rendre, ça a l'air comme si on va se rendre bientôt. Si je fais juste voir comment que les gens ils rentrent ici. Ils rentrent avec affluence, donc ils émigrent. Ils rentrent avec naissance, mais ça n'a pas l'air à vraiment changer, ça. Je veux dire, il y a eu une grosse baisse puis une grosse monte, mais la tendance semble être plate. Mais c'est bien. Mortalité, est-ce qu'elle a descendu? Non! Il y a beaucoup plus de gens qui sont morts. Ok, ça, c'est pas... c'est pas super. Tourisme... Oh! Tourisme descendu. Ça, c'est pas bon. Surtout avec le nouveau quartier que j'ai bâti. Mais check ça! Ça s'est rempli tellement, tellement bien puis tellement vite. Waouh! Il y a encore beaucoup, beaucoup de demandes ici. Beaucoup de problèmes. Manque de gens éduqués. Très instruits. Mais ça, c'est parce que j'ai des... Attends un petit peu. Côté éducation ici, là, on a... Ici, on est bien. J'ai ajouté plein d'écoles. Faudrait que j'ajoute une autre école en haut ici. Juste pour ça. Tiens. Ah, mon dieu. Ok, attends, ça c'est fait. Côté collège aussi. Ah, pourquoi tout le monde est rouge? Il y a un collège là. C'est peut-être juste parce qu'il faut qu'ils se rendent à l'âge où ils peuvent aller au collège, je devine. Je vais mettre un autre collège là, disons. Je vais juste faire sûr que ça s'est connecté avec de l'eau. Oui, ok, tout le monde va aimer ça. Parfait. Université. Encore, j'ai de la place pour 9000. Il y a seulement 3,5 000 personnes qui y vont, mais c'est parce qu'il y a une université là, puis une université là. Eux ici, s'ils veulent à l'université, il faut qu'ils marchent. Puis ça a l'air comme s'ils n'aiment pas ça marcher. Je sais pas c'est quoi leur problème. Mais en fait, puis on a d'autres résidentiels ici aussi. Hein. Donc ce que je pourrais faire peut-être, c'est juste pour essayer de me rendre à 55. Je pourrais essayer de boucher le trou en faisant peut-être, en remplissant ça ici, puis ici je pourrais mettre une université. Même que oui, je pense que c'est une super de bonne idée ça. Ok, donc on va partir d'ici, on va partir de même, on va... Monter super proche! peut-être qu'on va faire le tour de ce genre de cratère-là. Cratère que je pense que c'est moi qui avais créé quand j'étais en train de tester les affaires, il me semble que oui. Et puis jusque là de même, disons. Ici, ce serait une place parfaite pour mettre une place où on peut embarquer puis débarquer de l'autoroute. Je peux aussi aller sous terre ici. Il est en train d'essayer de bâtir un pont. S'il arrête ça, là. Je peux essayer d'aller de même. Comme ça, puis après ça, juste sortir puis bâtir ça là de même, comme ça. Comme ça, les deux sont connectés ensemble. Le quartier au complet va être connecté ensemble de même. Ok, parfait. Dernière une petite chose que je veux faire ici, juste ça. Comme ça, on a des arbres qui vont jusque là. Et puis, voyons voir ici. Comment qu'on va faire ça? Je suis en train de penser... Et où mon université, là? Toi, toi. Ben, comme ça, tu regardes. Va peut-être falloir que je descende mes poubelles un petit peu. Parce que là, si tu regardes par la fenêtre de l'université, tu vois les poubelles. Mais au moins, attends, ça va être la route. Ça ici, ça va être la rue de l'université. Et puis à partir de là, on peut bâtir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voyons voir ici. Bon, j'ai essayé de faire une genre de chevelure. C'est dur un petit peu pour moi de bâtir des routes la nuit parce que je peux pas voir le relief du terrain. Donc, j'essaie de faire quelque chose qui va, genre, suivre le terrain. Mais j'ai pas... Ouais, là, la pente est rendue trop inclinée. Merde. J'ai pas vraiment de repères. Ok, je suis tout de suite en train d'ajouter des services, donc on a un hôpital, je l'ai mis en haut ici. On va mettre des polices, et on va mettre des pompiers. En fait, j'aime mettre des pompiers, puis là on va mettre des polices. Ok, on va voir si on peut connecter l'électricité tout en... Genre, je vais enlever ça ici. De même, mais là je veux pas déploguer tout le monde de l'électricité, là, attends un petit peu là. Ok, ça arrive là, puis ça arrive de là, mais ici ça part par là aussi, puis ça remonte de même, donc on est bon. Je vais pas enlever l'électricité à tout le monde, ce qui est parfait. On va faire ça de même. Enlever ça. Bon, puis là, c'est temps de zoner. Puis je pense que pour la première fois, je vais zoner avec le pinceau. Donc, voyons voir ici, on peut mettre des zones haute densité. Ici, juste le long de même. Ça va être joli. Je suis en train de penser, de ce bord de l'autoroute, on peut mettre du commerce. Parce que il n'y a pas vraiment personne qui veut vivre de ce bord de l'autoroute. Donc, du commerce, disons, jusqu'ici. Puis le reste, on peut mettre du vert.
On devrait aussi avoir quelques petites. Là, j'ai arrêté de peinturer parce que je savais faire des choses un petit peu plus spécifiques, mais des petites zones de commerce de même. Voyons, ici, les routes, ici, ça va être surtout des petites maisons. Je veux pas des grosses tours pour toutes. Donc, ça, c'est toutes des petites maisons de même parce que c'est un petit cul-de-sac où il n'y a pas grand chose. Il y a juste de la place pour des petites maisons. Là, où est-ce que je viens de mettre des petites maisons ici, c'était 3-4 là. Je veux plus mettre des grosses tours. Quand c'est dessus le bord de même, là, puis tu peux regarder, là, au loin. Ok, on va commencer avec ça, on va voir c'est quoi que ça, ça nous donne. On est rendu à 52 000. Notre budget descend, hein, on est rendu à 860 000 $. On a commencé avec 2 millions. Mais quand même, je veux dire, le but, comme toujours, c'est de se rendre à beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, tant qu'on peut se rendre à beaucoup de personnes, on va recevoir beaucoup de cash. On va être correct. Une fois qu'on a beaucoup de gens aussi, puis on peut avoir notre aéroport, on peut toujours remonter les taxes. Ok, côté transport en commun, j'étais en train de penser qu'on pourrait peut-être bâtir une ligne d'autobus ici qui part... ou qui passe par la station de métro ici. Donc, elle passe par là. Disons, elle fait un arrêt ici pour le fun. Et puis après ça, elle va arrêter ici en avant de l'université. Et puis après ça, elle va se rendre genre juste... Je voudrais me rendre jusqu'ici. Donc elle a une couple de petites choses à faire encore. Disons, on va arrêter ici. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Elle va arrêter ici. Même, je pourrais la faire arrêter avant aussi. On va la faire arrêter là. En avant de l'université. Ici. Et puis après ça, ici, on pourrait... Ouais, on pourrait juste essayer de descendre de la côte ici. Je veux pas vraiment boucher le trou pour l'autre autobus, donc on va faire ça de même. Puis ouais, elle pourrait faire un genre de U-turn puis venir jusqu'ici. En remontant, elle pourrait arrêter toutes les différentes mêmes places. Donc arrêter là, arrêter là, arrêter là. Donc c'est elle ici, elle va aller chercher les gens aux deux extrémités de métro. Puis elle va juste rapporter... elle va rapporter tout le monde à l'université. Donc je vais ajouter ça là de même. Et voilà, tiens. Ça, ça devrait faire à ce que plus de gens peuvent être éduqués. Ok, 53 000, puis ça avance pas pire. Par contre, on a encore des problèmes de... Moses, de commerce. Donc, à côté de l'université comme telle, on va... Autant que je voudrais mettre des résidences, on va mettre des commerces. Parce que ce serait les restaurants, puis tout où ce que les étudiants y vont. Donc, on va juste mettre ça de même. Tiens, ça, ça devrait aider un petit peu. Mais j'ai pas vraiment bâti ça pour que ce soit une place de commerce, ça, ici, là. Je pourrais mettre des commerces tout le long de la rue, ici. Si on veut. Juste comme ça de même. J'ai pas de place pour des bureaux non plus, mais tiens, comme ça. J'adore les chars qui arrivent, ça c'est tous des gens qui arrivent, qui déménagent, qui rentrent dans notre ville, c'est bien ça, c'est bien ça. Mais ouais, même avec tous ces bleus-là, je veux quand même avoir du vert ici, là, j'ai besoin de vert. Ah ouais, t'es capable le vert, on va peut-être mettre des petites maisons au lieu de des grosses maisons. Mais j'ai besoin de des maisons, j'ai besoin que les gens déménagent, j'ai besoin que les gens ils viennent vivre chez nous. J'ai besoin de 55 000 personnes, 55, hein, c'est ça là? On est tellement proche. 70! Non! C'est pas la première fois que je fais ça non plus. Là. 55, ok. Ouais, c'est ça que je veux. Bon, puis là, il mouille. Y'a personne qui va déménager s'il mouille. Pourquoi qu'il mouille? C'est super joli. Sauf pour des poubelles. Les poubelles, c'est... Va vraiment falloir qu'on tasse ça, là. Va vraiment falloir qu'on trouve une meilleure place à mettre ça. En fait, on pourrait tout tasser ça ici. Ouais, en fait, y a plus beaucoup de place, hein. Je suis vraiment en train de... Faut falloir que j'achète un carré plus par là-bas, là. Pour mettre tout ça, là. Ok, on est rendu à 54 000, puis là, on commence à avoir des gros problèmes de trafic. Des gros problèmes de trafic. On va voir si on peut régler ces problèmes de trafic-là un petit peu. En changeant tout ça ici, un genre de... Ok, peut-être pas. Mais peut-être juste ce petit bout-là, ça va aider, parce que les gens, ils vont se mettre dans la voie de droite s'ils veulent tourner, mais autrement, ils vont se mettre dans la voie de gauche. Right? C'est même que ça va fonctionner, peut-être. Ah ouais, on est tellement proche, puis là, tu me donnes la merde parce que tu vas encore mettre des bureaux, hein. Ok, on va peut-être faire une section de bureaux ici. En fait, je suis en train de regarder ça ici. On a beaucoup de trafic là. J'avais bâti ça ici pour essayer de régler les problèmes de trafic, mais celle-là, comme... Oh mon dieu! Oh mon dieu, ok. Oh boy. Qu'est-ce que c'est? Ok, j'avais pas vu ça, moi, là. Wow! Ok, donc déjà là, on a un petit quelque chose ici à régler. Voyons voir si je fais toi et toi de même. Ça devrait régler beaucoup d'affaires parce qu'après ça, je peux venir ici. Puis je peux dire que toi, tu vas seulement là. Toi, ouais, c'est ça. Et puis toi... Attends un petit peu. Toi, tu vas seulement là ou là. Toi ici, tu vas seulement là ou là. Mais seules les voies de l'intérieur sont pour tourner. C'est ça que c'est. Parfait. Donc là, maintenant, les gens vont se placer. Puis, je vais juste faire ça ici, qu'ils peuvent pas changer de voie dans une minute. Parce que s'ils changent de voie dans une minute, ça va faire que t'es de la bébelle. Ah oui. Toi là. Et toi là. Et toi là. OK. Bon, évidemment, ici, on a un genre de gros problème de trafic aussi, donc je vais faire est-ce que les gens qui sont dans la voie de droite peuvent seulement aller à droite. Ici, je vais faire est-ce que les gens qui embarquent dessus l'autoroute, ils peuvent aller n'importe où, mais qui embarquent pas à droite s'ils veulent pas rester à droite.
Et ici, les gens... Tac, comme ça. Comme ça, décidez votre voix avant que vous arriviez ici. Comme ça, vous n'êtes pas tout en train de vous couper comme vous êtes en train de faire ici en ce moment. Ça, c'est pas bon. On veut pas ça, parce que ça, ça ralentit tout le monde. Et puis, c'est ben niaiseux. Je vais admettre, j'espère vraiment, vraiment que la prochaine expansion pour ce jeu-ci, ça va être une expansion de trafic. Une amélioration de l'intelligence du trafic. Et beaucoup plus d'outils aussi pour gérer le trafic. Parce que c'est vraiment ça qui manque au jeu en ce moment. C'est la raison aussi pourquoi on se retrouve à passer genre la grande majorité du jeu juste à gérer le trafic. Parce que c'est juste ça que tu fais. C'est vraiment, vraiment talent. Bon, voyons voir. Ici, on va essayer de créer un pont qui ne va pas, qui va juste passer par-dessus l'autoroute. Donc ça, j'espère que ça va pouvoir aider un petit peu. Donc si je fais toi de même, le pont va être une grosse affaire de même. Ça va détruire, oui, un petit peu, je sais, là, mais tant de même. Ça va être toute une avenue. Et puis de même... Ah non, excuse. Comme ça. Et comme ça. Un petit peu. Comme ça. Et comme ça. OK, parfait. Et puis là, ici, on peut essayer d'avancer le plus possible. Là, je suis en train de rentrer un petit peu dans Sunlight Hill. Oh, dans Sunlight... Oh, il manque un petit peu de vert ici, là. Un petit peu. Vert, vert. OK. Oh! Oh! OK, OK, OK. Il en manque plus beaucoup, il en manque plus beaucoup. mais ça ici, j'espère que ça va pouvoir juste aider. Je veux dire, si on peut connecter toi là. Et puis après ça, peut-être qu'on peut connecter toi juste de même. Envoyez là. Arrête de me niaiser de même, toi là. Tain. Ça devrait pouvoir aider. Puis après ça, ici, on peut aussi faire est-ce que. Attends, si je fais ça, on peut faire toi, comme ça. Tu peux venir jusqu'ici même. Le but à la fin, ouais non, je veux pas briser l'électricité, mais le but à la fin, c'est que tu viennes te connecter là même. Et puis ça, ici. Donc j'essaye en fait ce que je suis en train d'essayer de faire, attends, c'est juste de faire. Ben là, t'es pas content parce que j'ai bâti une affaire de même. J'essaie de donner plus... Yay! Yay! Ah, oh, on a notre aéroport. Plus d'options pour que les gens, comme ça, ils sont pas... S'ils veulent se rendre ici, puis ils sont ici, ils n'ont pas besoin d'embarquer sur l'autoroute pour débarquer de l'autoroute. Ils peuvent maintenant juste prendre cette route-là. Ah, mais ça, c'est bien. Ah, oh, je suis content. Donc, on va espérer que ça va régler... Ah, check ça, t'as des problèmes de trafic qui remontent jusque-là. C'est absolument fou, ça. OK, on va laisser ça de même pour tout de suite. On va leur donner la chance de se régler. Mais là, je veux terminer l'épisode aujourd'hui en achetant une zone ici. Je pense que je suis en train de penser direct là. Pour bâtir mon aéroport, acheter. Merci beaucoup. Et puis après ça, il faut juste se rendre à 77. 70 ou 77? 70 personnes pour avoir notre aéroport international. Mais là, au moins, on va avoir notre aéroport. Maudit aéroport niaiseuse. T'es où toi là? T'es ici! OK, yay! Puis check ça, c'est fait juste pour ça. On va pouvoir... Ah oui, ça c'est cool. OK, on va faire un genre d'intersection ici là. Où ce que toutes les différentes zones de... Toutes les différentes affaires de... De transport se connecte. Donc, voyons voir ici. On va bâtir une genre de avenue, si on veut, qui monte de même et qui va jusque là. Et puis qui, d'une façon ou d'une autre, faut qu'elle descende par terre. Là, parce que je veux qu'elle se connecte là-bas, là. Jusque là. Comme ça. OK, parfait. C'est quoi le problème ici, là? Pourquoi il n'y a pas d'eau? Ah, parce que j'ai pas connecté l'eau. Donc, ça ici, ça va être une place où les gens peuvent embarquer de l'autoroute, où ils peuvent débarquer de l'autoroute. Et puis, le but, c'est vraiment juste pour les gens qui veulent aller à l'aéroport. Donc, comme ça. Et toi de même. Et toi de même. Parfait. On va ensuite avoir notre route ici qui va se rendre à l'aéroport. Toi, parce qu'un aéroport, c'est jamais vraiment dans le centre de la ville. C'est plus dans le milieu de nulle part. Puis, comme le temps avance, ça devient dans le centre de la ville. Mais on va faire ça de même. Et puis, on va faire un gros tournant de même. Comme ça, je vais laisser assez de place pour avoir une gare. Mais ça devrait être bon. Puis après ça... Ouais, juste de même. Puis quelque part là-dessus, je vais pouvoir avoir ma gare. Et puis quelque part d'autre, je vais pouvoir avoir mon aéroport. Et voilà! Yay! Donc, l'aéroport va aller là. La gare de train va aller... Loin? OK. Peut-être qu'on va la mettre ici. Ou de l'autre bord ici. Je sais plus, là. Ouais, disons, pour le moment, on va la mettre là. Évidemment, je veux dire, c'est une gare... C'est pas une grosse gare internationale. Donc, on va juste connecter ça de même. Comme ça. Et on va aussi faire un genre de... patente de même. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et si tu viens de bord et tu te connectes... Oh non, pourquoi faut que tu sois laid? Comme ça. Comme ça, si les trains veulent... Ah non, c'est pas le bon... C'est pas le genre de gare que je veux, oui. Je veux juste cette gare-là.
Ouais, cette gare-là, je te gage qu'elle fit l'autre bord. Hein. Merde. Ouais, regardons ça, toi, ça fit parfaitement. Donc, toi, on va te mettre là de même. Et puis, on va juste donner un. Ouais, un petit peu, là. Un genre de. Et de l'autre bord aussi. Parfait. On va aussi mettre un métro. Bon, on va voir ici côté métro. On a cette ligne-là ici. Donc, cette ligne-ci, elle pourrait juste continuer jusqu'au. Puis, je pense que c'est ça qu'on va faire. Elle va juste continuer jusqu'ici. Jusqu'à l'aéroport. Bon, comme ça. On va faire toi. Comme ça. Et. Tu devrais juste pouvoir venir te connecter demain. Parfait. Même, on va pas faire ce que ce soit la même ligne parce que cette ligne-là, elle doit déjà être pas mal étirée. Je veux dire, elle se rend jusqu'à l'autre bout d'ici. Donc ça ici, ça va être juste une ligne spéciale, une ligne shuttle, si on veut, là, qui part de cette station-là puis qui revient ici. Donc juste de même, tiens, comme ça, ils se partagent pas des trains puis il y a pas des gens qui vont être fâchés parce qu'il y a pas assez de trains qui passent autour. On va donner de l'eau à tout ça. On va donner de l'électricité à tout ça. L'électricité, parce qu'il faut bien. Bon, il y a déjà une couple de chars qui se rendent là. Tiens, comme ça. On va... L'électricité, de l'eau. On va... C'est quoi là qu'il faut faire ici? Il faut mettre des taxis. Évidemment. Donc, on va mettre un taxi d'un bord, un taxi de l'autre. Faire ça qu'on a assez. On va aussi mettre des affaires de taxi. Tiens, juste faire ça qu'on a assez. Et finalement... Oh, il y avait de la demande pour du taxi. On va peut-être en mettre un troisième. Non, je peux pas. On va mettre un troisième de ce bord-ci. Tiens. Et dernièrement aussi, je veux mettre... je sais pas ce que je veux mettre. Ah oui, il faut que je mette une façon pour que les gens puissent traverser la rue quand ils sortent du train. Donc on va mettre ça ici. Ça ici, ça va me permettre aussi d'ajouter d'autres taxis. Parce que toutes les... J'ai mis deux affaires de taxis ici, puis se sont vidées complètement. Donc évidemment, il y a une grosse demande en ce moment. Il y a une grosse pénurie de chars de taxi. Donc on va juste mettre tout le long ici du taxi. Ça va aider si je fais ça et ça et ça. Tiens, avec ça, t'as ces taxis-là là, qui sont comme « Oui, on veut aller apporter des gens. » Est-ce qu'ils font tout quelque chose ou est-ce qu'ils sont juste là pour le fun? Toi, tu veux ramasser quelqu'un. Ils vont tous ramasser quelqu'un. Donc, il y avait une grosse demande de taxi. Je portais aucune attention, ça a l'air. OK, peut-être la dernière chose que je veux faire. Ouh, nos premiers avions, un petit peu. Y a-tu du monde là-dedans? 154 personnes, wow, OK, y a du monde là-dedans. 131 personnes, wow. OK, un petit peu, on va voir si où vont ces gens-là. Est-ce qu'ils prennent le métro, est-ce qu'ils prennent le train ou est-ce qu'ils prennent les deux? En fait, faudrait que... Attends un petit peu. Ils vont pas prendre le train parce que j'ai pas créé de ligne de train. Donc, il faut que je crée une ligne de train. Tu vas de là. Et la ligne de train, hop là, disons, elle va aller jusqu'au centre ici. Là, on va commencer à avoir des bouchons. Mais tiens. Donc, le train comme tel va nous apporter là. Il faut que je revisite notre stratégie de train parce qu'en ce moment, on a une gare là, une gare là, une gare là. Et une gare là. Il va falloir que j'essaie de figurer comment peut-être créer un gros cercle. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, ce sera pour un autre épisode. Là, je suis en train de m'amuser à terminer mon aéroport. Ok, voyons voir où est-ce que tout le monde va. Check ça, tout ce monde là. Wow, ils sont tous habillés en rose ici. Est-ce qu'ils s'en vont voir une game de soccer ou quelque chose? T'en as un petit peu là. Wow, ça fait comme The Matrix avec la pluie. Wow, un petit peu. Vous êtes tous habillés en rose. Vous êtes tous trempes aussi. Oh non, c'est pas bon. Mais ouais, vous êtes tous habillés en rose, mauve. Je sais pas si vous êtes ici pour voir la game. Peut-être c'est ça. Peut-être ils s'en vont tous là-dedans pour ensuite voir la joute de soccer. Un petit peu là. Toi, ce que je veux. Toi. Je veux suivre les gens. Ok, donc ils sont pas mal tous rentrés là-dedans. 161. Whoop là, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux faire ça. Je veux voir si c'est ce qu'ils vont. Évidemment, hein. Ils vont débarquer à la prochaine station. Donc, 161 personnes. Oui! Hey, ça remplit le métro au complet. C'est quand même... Il y a beaucoup de monde qui veulent arriver ici en avion. Là. OK. Le arriver ici. Est-ce qu'ils sortent ou est-ce qu'ils... Oups. Merde, j'ai comme perdu parce que la patente a passé par-dessus. Mais je pense qu'ils sortent puis ils vont au stade. Je pense que la grande majorité sont restés par contre. Je sais pas. Mais. On peut faire ça ici et ça de même. Non. Toi... Tu peux pas me montrer c'est qui passe par là? Non! Ah, je pensais que tu peux me le montrer. Peut-être que ça fait pas si longtemps. Ou peut-être qu'il fait pas pour le métro. Je sais pas. Ouais, on va voir un autre 112 personnes qui atterrissent et un autre 143. Ok, donc il y avait beaucoup de demandes pour ça. Mais voilà, on a un nouvel aéroport régional. Ah, on aurait besoin d'un nom pour notre aéroport. Et aussi,
Il y a l'élection en ce moment qui se passe dans Square qui pue. On a besoin de savoir ce qui se passe avec ça. Donc, je vous rappelle, vous avez 24 heures après la publication de cette vidéo-ci pour voter sur Square qui pue. C'est dessus l'ancienne vidéo, la vidéo de la semaine passée. Et aussi, laissez-moi une couple de suggestions pour des noms pour toutes les différentes régions qu'on a créées, y compris l'aéroport ici. Il faudrait que ce soit l'aéroport de quelque chose. Il faudrait le nommer après quelque chose. Je sais pas quoi encore. Mais bon, voilà. Ah, je suis content. On a atteint tout un milestone aujourd'hui. Là, franchement, là, tout un objectif. Yes. On a presque tout débarré. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup. Et je vous laisse avec cette jolie pluie. Et je vous dis à la prochaine.